C'est un projet de loi même très important parce qu'il va nous permettre dans un premier temps de sortir de l'état d'urgence dans lequel on vit depuis plus de 22 mois. L'état d'urgence, c'est un état dérogatoire qui permet à la police administrative de prendre un certain nombre de mesures qui sont attentatoires aux libertés. Et on propose aujourd'hui d'en sortir, de revenir à une espèce de droit commun plus pérenne, mais en même temps d'avoir une sortie maîtrisée. Non, moi je m'inscris en faux contre cette idée. Il n'y a pas de transposition, de copier-coller de l'état d'urgence. D'abord, la loi qu'on propose, elle est circonscrite à la lutte contre le terrorisme. Ça n'applique pas à tous les domaines. Et puis en plus, les mesures qu'on met en place, même si elles s'inspirent évidemment de l'état d'urgence, elles sont extrêmement réglementées, très encadrées, avec la présence, pour certaines d'entre elles, du juge judiciaire.